doyen faculté ethnologie. Alors, nous-mêmes qui chita là, même si manquait deux dans nous, il y a deux monde qui pas là, c'est vice-doyen à la recherche Claude Mandas avec vice-doyen aux affaires académiques et Robert Moïse, il y en a notre victime. Alors nous-mêmes qui là, nous sommes chita là comme victime et à la fois plaignant. On dit plaignant parce que nous sommes en plainte. Plaignant pour une conjugaison de trois types d'événements qui mènent nous dans ça nous y est là journée aujourd'hui. Premier type d'événement, c'est que nous-mêmes qui là, nous sommes victimes de tentatives de séquestration et même de menaces de mort à Diffé. Menaces de mort à Diffé, dans la faculté d'ethnologie, en dans la faculté d'ethnologie. Et à partir de moment ça, nous avons une tentative pour nous échapper pour nous, pour nous quitter la faculté d'ethnologie. Et c'est dans le moment pour nous quitter la faculté d'ethnologie que nous avons un incident malheureux qui gagne. Et incident malheureux ça, côté que tu as gagné, il y a un étudiant que rectorat, il y a un étudiant sous 19, que rectorat est expulsé. Et après inventaire judiciaire qui était fait 1er août 2016, côté, il était enregistré dans le rectorat avec notre DEPLA, il y a un ensemble de pertes énormes, de vols de biens publics et privés, il y a une série de destructions d'archives et de documents administratifs, académiques et financiers. Côté, il y a 200 chèques dans le rectorat qui ont été subtilisés, dans le sens que vous prenez et des chèques pour professeurs, des fonctionnaires et employés, et qui étaient égal près de 4 millions de gourdes. Et parmi 200 chèques, vous avez changé 12 chèques. 12 chèques pour un montant d'environ 2 millions de gourdes. Et c'est à la suite de ça que nous avons occupation rectorat. Ce n'est pas une simple occupation rectorat. C'est une opération volait bien l'État, volait bien l'université d'État, volait bien fonctionnaire, volait bien employé. Alors c'est à la suite de ça que étudiant ça, ex-étudiant qui est expulsé, lui-même, c'est dans la deuxième étape, deuxième événement, dans la sortie dans la faculté d'ethnologie que monsieur font action sous machine. Et d'ailleurs, si la justice te fait travail, si la justice pas de camper dans la route, étudiant ça était capable même là pour te faire action, ça que le faire. Parce que il était en affaire avec la justice, l'avocat est présenté pour lui, le juge l'a demandé pour te présenter personnellement, il n'est pas jamais présenté, et c'est ça qui fait que incident malheureux ça t'est arrivé. Et troisième étape, troisième type d'événement qui confirmait premier que je parlais de l'état à tout, c'est qui était parlé de tentative de séquestration avec menace de mort, côté une attaque systématique qui fait dans la faculté d'ethnologie, côté deux vice-doyens ont été quittés là, et Claude Mandas avec Robert Moïse, ils ont victimes, et puis nous gagnons Picard, John Picard Biron, qui est responsable du département maîtrise en anthropologie sociale dans la faculté d'ethnologie, qui victime tout, et puis après ça, nous avons un comptable administrateur lui-même qui pédit machine ni. Alors, dans le cadre de ça, les plaintes que nous portons sont plaintes collectives, que nous portons et que nous tous siens, pour nous cinq siens, en parlant de moi-même comme doyen, deux vice-doyens, responsable du département maîtrise en anthropologie sociale, avec comptable à tout, parce que lui-même, il boule machine ni tout. Alors, ça veut dire que ce sont plaintes collectives, elles sont contre qui? Bon, de toute façon, il y a des gens que nous identifions. Non, bagarre là, même si, par exemple, nous sommes clair que, par exemple, moi, je suis sorti à un moment déterminé, d'ailleurs, tant que le professeur Picasso dit, plusieurs fois, ils ont essayé de sortir, ils ont campé, mais moi, je dis que moi, pourquoi jamais, ils ont étudié, pourquoi jamais, ni coucher, ni chita devant machine, moi. C'est ça que fait, moi, en tant que nous avons gagné avec l'autre visoire, je me dis que nous avons fait caravane, nous avons fait une dernière tentative, nous avons sorti, et si au cas, ils ont couché, là, nous parlons de la police. Là, nous parlons de la police. Et de fait, nous devons, nous paraître, et pour ça, nous paraître, nous garder à gauche, pas que les machines qui viennent sur ma grande boîte là. Après ça, nous finissons. Et puis après, c'est pas dans le filet, nous avons dans nos bruits, de nous prendre ma machine. Et puis après ça, nous m'allons. Ce qui veut dire que moi, c'est par après que je viens apprendre que c'est étudiant ça, qui m'enlève le fait.
avec la machine là, et puis après ça, on a dit que après ça, bon, et puis c'est là-bas au déclenché pour notre troisième phase d'événement. On y a comment moi avenir dans la faculté de théologie. Moi-même personnellement, je ne connais pas. Parce que nous-mêmes, nous certains que ça qui a passé là, il ne peut pas continuer dans l'université de l'État. Parce que l'ethnologie qui ferme aujourd'hui, c'est la troisième faculté qui ferme. Normal ferme, sciences humaines ferme. Bon, nous-mêmes, dans l'ethnologie, il y a petit zone nous longtemps, mais une zone comme ça, l'ethnologie, ça s'est fermé, même si c'est nous qui prenons décision. Et actuellement, il y a petit zone, ERA et INAGE. Alors, ce qui veut dire que nous, si nous cherchons à comprendre, nous avons un plan quelque part. Mon côté que nous voulons arriver, mon côté que nous voulons arriver avec l'université d'État. Moi, je pense très clairement, bagaille qui passe, hein, c'est un bagaille qui entre dans une démarche, une tentative d'assassinat. Parce que 30 minutes, nous avons dit 30 minutes, 30 secondes même après l'incident barrière faculté, est passé, la machine nous avons en feu dans la cour. Ça veut dire que nous avons des gens qui ont des gazolines parés pour faire ça à faire. Et moi, très clairement dit, événement ça, c'est quasiment un montage lié. Étudiant précipité col en bas machine, doyen, pour dire que doyen tué. Et puis après, pour être tué. Et puis pour être tué, doyen tout. Faut que nous clair que, moi-même, pense que nous n'avons pas besoin d'expert pour dire, pour voir la question ça. En machine passe son nez qui était couché à terre. Et puis, son seul pied qui est cassé. On machine passer son nègre et puis il n'y a pas gagné aucun organe qui atteint. Monsieur Mystique, ou bien qui s'allie là? On va comprendre. Bon, bonne parole en pile. Or, l'événement, c'était très clairement fait, je n'ai pas prétexte. Et je n'ai pas prétexte pour te tenter l'enchaîne physiquement, et puis après j'ai un prétexte pour te lyncher médiatiquement tout. Parce que après lynchage médiatique là, c'était fait doyen Blo passer pour un criminel. Or, le bonhomme a été quasiment foué colon bas machine là, et c'est voir hier passer sous lui. Et parce que nous non situation très clairement faut nous connaître, mais même penser faut nous garder ça que nous vivons dans l'université ou bien ça. Si le groupe ça a besoin de faire, c'est de monde qui arrive non niveau violence, un petit groupe qui pas représenté tout étudiant dans l'université. Parce que c'est quasiment un petit groupe, quatre monde qui t'a piloté l'action et puis qui t'a gagné, l'autre monde en appui avec eux. Parce que le doyen dit la sortie dans la faculté, il y a un groupe nègre qui t'a campé à attendre. Et gagné en face de la faculté qui t'a prêt pour agir. Et puis fort, si moi-même, les attaqué dans la faculté, il n'y a pas bien plus que 4 nègres qui t'ont voué roche. Ça veut dire très clairement, étudiants, faculté de technologie, pas mêlés dans le bagage, ça, dans la grande majorité. Un petit groupe qui fait action criminelle, ça, et qui t'est visé quasiment tué. Et qui visé, et moi, m'a dit, gagnant tout le bagage qui passait, hein, nous en face, pas un esprit militant. Ou bien des gens qui ont dit qu'ils besoin de changer l'université. Hein, parce que ça, c'est un prétexte, une parole. Nous, en face de gens qui, quasiment, c'est des gens qui ont des mentalités morbides. C'est des gens qui ont un vibrissant. Et c'est des gens qui ont des tendances suicidaires, kamikazes, qui étaient prêts pour tuer tête et donc qui étaient prêts pour tuer les gens. Voilà dans quelle situation de gain. Nous avons un seul souci. Notre souci, c'est un souci académique.
nous besoin véritablement pour ne pas sauver quitter le pays dans les jours qui viennent, parce que taxes y a payé. C'est machin qui a fait. C'est nous-mêmes. Nous payons professeur pour nous et nous croyons que la réforme, ça, c'est là pour nous aller. C'est là pour nous clencher effectivement pour l'enseignement supérieur véritablement. Tout le monde est capable de chance. Capable de chance. Là, vous passez entre l'université de l'État, entre n'importe quelle université dans le pays, pour être capable de une formation qui est équivalente à n'importe qui bon dans le monde entier. Nous-mêmes, nous choisissons, nous prenons responsabilité, nous mettons tout dispositif pour nous monter pacifiquement. Ou après, on a vu sur l'autre. Nous disons qu'il faut que la population accompagne nous. Parce que la bataille est menacée pour la société. Il faut que l'université a qu'à répondre avec problème l'université a confronté. Et de la maison, nous, l'université a répondu à problème ça. Société, je ne sais pas bien. Parce que la guerre a ses capacités. Pour nous servir la population. Nous-mêmes, je le dis, nous avons une mission, nous avons une idée, c'est la réforme de l'État de l'université. Nous-mêmes, je le dis, nous avons un engagement. C'est pour la réforme, nous déjà mourir. Nous devons aller dans le cimetière. Fox, si tu as vu, 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 tu